Ok, bah, on est reparti. Accueilli par une bourse d'argent, c'est parfait. Bon, elle est pas très garnie, mais c'est comme ça. Oh putain, un loup! Ok. Même que Noir, il s'en fout. Voilà, bouffe. Bah, un loup qui nous est passé devant. Alors, donc on est reparti. Donc, on va faire ça. On va chasser le loup. Chasser le l'ours, pardon. Et puis ensuite, on va retourner à la garde de l'aube une fois que ce sera fait. Visiblement, la grotte n'est pas grande, mais J'avais bien entendu quelque chose. ah, c'est que cette merde. La grotte n'est pas très grande, mais bon. Plus personne. Si, y a encore un ours là-bas. Ah bah, je crois qu'il nous a repéré. C'est moi, il y en a deux. Ah ouais. Ouais, il est costaud alors. Tu veux pas y aller? Loup, viens de voir, il bouge pas. Je vais devoir tout me taper quoi. Ah, puis il me reste plus que 6 carreaux en fait. Il y a l'autre nounours là qui pète un câble aussi. Ouais, il s'enfuit. Qui va là? What the fuck? Oh là, il y a l'autre. Oh putain. Ok, c'est bon. Bon, on va finir l'autre à l'épée. Quoique, attendez, je vais récupérer d'avoir les. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais vu que c'est le mode des. Qui fait que les animaux fuient. Je vous remercie. Ça a Je fait des penserais vieux peut-être bugs. pas sorti aussi bien sans vous. Vous m'avez Eh aidé. ouais, mon gars. La moindre des choses est d'aller voir ce que veut Isran maintenant. Il est toujours dans ce fort du côté du cristal de Stendhal, je suppose. Tout à fait. Évidemment. Il travaille dessus depuis des années. Et il ne laisse Voilà. jamais entrer personne. Bon, C'est c'était sa petite rapide, c'est tant mieux. forteresse. Je suis curieux de voir enfin ce qu'il y trafique depuis tout ce temps. Je vous retrouverai là-bas. C'est cool. Je vous verrai au fort de la garde de l'eau. Il les pousse. Wow. Il n'a rien à battre. Il n'en a rien à battre. Ouais, ouais, c'est chaud parce que j'ai genre plus que 5 ou 6 carreaux de. Ah, il y a un sac là. D'arbalète. Donc, bah, pour en acheter, bah voilà, hein, faut les. Enfin, j'ai pas d'argent, tout simplement. Et au fort de la garde de l'eau, je n'ai pas trouvé beaucoup plus, donc j'espère qu'il y en aura qui vont. Enfin, qu'il y en aura d'autres plus tard. Ou qu'on pourra m'enfiler. Que bah, les mecs pourront m'enfiler, quoi. Parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Bon, Eh ben, on va retourner à pied parce que, comme dit, ben, je peux pas faire autrement. J'ai pas assez d'or pour reprendre une charrette. Et puis la plus proche charrette, je crois, il faudrait que j'aille jusqu'à Blancherive. Donc, c'est clairement pas sur la route. Donc, c'est simple. On va y aller à pied. Je regarde. Ouais, je passe par là. On va passer par Elgen, hein. C'est pas forcément très très long. Enfin, si, enfin un peu quand même. Faut dire ce qui est. De là où on est jusqu'à. Parce qu'au fort de la garde de l'aube, ouais, si, c'est un peu long. Mais, bah, ça se fait, là, dans la journée, il est même pas midi. On devrait arriver pour la soirée, donc ça le fait, quoi. Ça devrait le faire. Normalement, il y a encore des bandits ici. Donc c'est cool, là, qu'on puisse revenir à Elgen. Là, il y a l'endroit où on se fait décapiter, normalement. Ils sont où? Aïe! Moi je les ai pas vus sortir. Ah, mais ils étaient dans la petite tour. Parfait. Oh, il y en a d'autres qui arrivent là-bas. De l'or, du vin, parfait. Attends, je fouille ton pote. Je t'ai bloqué et je t'ai défoncé la gueule. Il y en a encore un. Dans la tour apparemment. Hop. Il est là où il veut pas descendre. Il bouge pas. Bon. Écoutez. C'est pas votre problème.
Ouais, bah descends, puis on en reparle. Eh Manu, descends. C'est bien ce qui me semblait. Il y a Ralof. Nous allons montrer à ces chiens athées à qui cette terre appartient. C'est marrant parce que du coup le mode comme je présentais dans le premier épisode, c'est qu'on démarre pas Elgan, etc. C'est que enfin voilà, on démarre pas Elgen, etc. Et on peut retourner à Elgen comme dans la quête, enfin dans le jeu de base, hein, quand on quitte Elgen, on peut y revenir un peu plus tard, et en effet il y a des bandits et c'est ravagé et tout. Mais c'est marrant parce que Ralof il y est toujours en fait. Genre il attend là dans de bug, j'en sais rien. La première fois que je l'ai vu quand je suis retourné à Elgen dans une autre partie là, modée, et que je l'ai vu Ralof, je fais mais qu'est-ce que tu fous là quoi? Ça fait vraiment pas de sens. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est un grand ouf ce mec. Et puis il nous parle en mode ouais, vous devriez retrouver les sombrages et tout, nanana. On peut lui parler en mode pourquoi êtes-vous exécuté? Ça fait aucun sens. Oula. Ah, excellent. Alors, moins excellent si je me fais attaquer. Ouah, mais par contre, là, la brume, là, on voit plus air, quoi. C'est ouf. Alors, attendez, je pille les cagites, là, au passage. C'est cool, ça, genre, il y a... Genre, les bandits, ils ont fait tomber l'arbre. Sur une caravane de marchands pour les piller. Raté. Il y a encore un. J'aimerais bien que vous ayez des carreaux d'arbalète sur vous, les gars. C'est pas trop vous demander. Où est-ce qu'il est? Heureusement que j'ai le radar parce que sinon. Ah, il est là. Yo! Oh, c'est un move! Hop là! Ah non, c'est pas ça que je voulais récupérer. Tige du chardon, on s'en contrefou. Ah, par contre, la brume nous est tombée dessus, mais sans prévenir, quoi. On voit rien à 5 mètres, quoi. Même pas. Abusé, hein. Il est genre à même pas midi, tu sais. Enfin, je sais que c'est une région plus froide, mais quand même. C'est ouf, hein. Attendez, je vais mettre une torche, quoi. Bon, ok, on peut pas forcément plus, mais quand même. Là, je sais que c'est des modes graphiques qui font ça, alors c'est un peu abusé, mais moi j'aime bien ça. Je sais pas, je trouve ça. Je trouve au moins on est carrément dedans, quoi. Ah, on peut pas faire plus dedans, hein, c'est sûr. J'essaie de voir la route, enfin de suivre la route. C'est pas facile. Salut. Tiens d'ailleurs, toi chasseur là. Attends, je te parle. Oh. Je chasse et je pêche. Bon, ok. Je pensais que j'aurais pu lui vendre des trucs, mais bon. Excusez-moi. Faut mettre vos phares, hein. Voir et être vu. Oh putain. Surgit de nulle part. J'avance un peu à l'aveuglette, hein, vraiment. En plus, la route est recouverte de neige, donc... ouais, c'est bon, on est sur la route, mais... Ouh. Je commence à avoir faim. On va prendre une tomate. Ah oui, on a le vin, là. Parfait. Salut. Je vous préviens, il y a des dragons par ici. Ah.
fois. Bon, en fait, je disais dans l'épisode précédent que les dragons n'entendaient pas tant parler que ça, mais si, en fait. Bon, c'est pas grave, hein. On n'en croisera pas, de toute façon. Hein. Tant qu'on fait pas la quête principale et la quête des dragons, on n'en croisera pas. Hein. Et là, tin. Oh, le loup. Genre là, on se fait attaquer par un dragon, je fais, ok. Oh putain, ils me font peur là, à sortir de nulle part. Hop là, ok. C'est bon, on est sorti du brouillard de l'enfer pour arriver dans la zone. Ah bah voilà. C'est bien ce qui me semblait. Des impériaux et des sombrages qui se foutent sur la gueule. Et bah on va pas les. On va pas les contrarier, hein. Et du coup, bah les frames par seconde chutent. En ligne droite. En fait c'est ça, c'est proche des camps sombrages, des camps impériaux. Parce que là du coup on voit là sur le radar, bah, y a un camp impérial en fait qui est pas loin. En général à proximité dans les zones un peu à cheval. Oh putain. Oh mon dieu. Ça va être horrible. Ah c'est horrible. Alors l'araignée est horrible, mais surtout parce que ça... parce que les... c'est ralenti, mais c'est abusé, quoi. Et on nous fonce dessus, on s'excuse même pas. N'importe quoi, hein. Ouais, en général, proche des camps impériaux et sombrages, d'autant plus ouais, dans les zones disputées par les deux factions, bah, il y a des affrontements. Alors c'est un peu con en fait ce mode parce que bon ouais ça rajoute des batailles etc nanana. Tiens il y a un sombrage là-bas. C'est cool mais genre moi admettons si je veux participer à ces batailles là genre admettons je veux rejoindre une faction dans le jeu. Je fais la quête de l'un ou de l'autre et que je veux me battre, bah quel bordel que c'est pour se retrouver là-dedans non, franchement. Excusez-moi du peu mais on voit rien quoi, enfin c'est pas qu'on voit rien, c'est qu'on... Ah putain, encore des rouges gardes, ils sont relous hein. Lâchez-moi. Je n'ai pas de temps. Mais ouais, on voit rien, enfin on comprend rien de ce qui se passe quoi. Ouais, c'est des rouges gardes qu'on avait déjà rencontrés pas loin du fort de la carte de l'aube la première fois qu'on y est allé. Et c'est une quête qui est cool mais... Putain, il m'a trop fait peur. Oui, c'est... Alors attendez, ça va par où ça? Riften? Ah bah c'est par là qu'on va nous. Fayez. Tiens, ça c'est Vigile ça. Allez de vous-même dans la lumière. Ou nous vous y obligerons. Ouah les mecs. Arrêtez de faire genre. Vous êtes fait défoncer par les vampires à votre bastion même, genre à votre QG quoi. Votre QG général. Alors faites pas trop les malins. Hein. Mais voilà, ouais, la quête là en gros c'est des sombrages. Des rouges gardes qui interrogent d'autres rouges gardes femmes. Parce qu'ils en recherchent une et il y a une quête liée à ça qui est sympa. Et pendant tout le jour on les voit un peu partout en train de questionner. Mais c'est que à Blanche Rive qu'on peut faire la quête, enfin qu'on peut la commencer. Donc, tant qu'on l'a pas fait, on les voit toujours harceler toutes les rouges gardes qui croisent quoi. Avec les mêmes boîtes de dialogue, c'est surtout ça le pire. Et une putain d'araignée en face. Alors, est-ce que peut-être que je peux la voir, genre... sans qu'elle me voie. Alors, elle m'a vu. Je l'ai touchée, c'est déjà ça. Allez, approche. Elle est où? Elle a fui ou moins? Elle est où? Je l'ai sur mon radar, mais visiblement, elle a... Elle a tourné les 8 talons. Je sais pas si ça a des talons une araignée. J'ai pas envie de savoir. Elle est là-bas. Ah ouais, elle fuit. Elle fuit avec mon carreau d'arbalète que je lui ai planqué dans une de ses 8 pattes. Scandaleux. Faudra vraiment que j'en retrouve. Hein, parce que sinon, bah, gameplay à l'arbalète, on peut tirer une croix dessus. Hein. Clairement. Ok, bah parfait, on est dans l'après-midi.
C'est très très bien. On arrivera même avant la nuit, dans la soirée, au fort de la gare de l'Aube, donc c'est très très bien. Et il y a aussi une chose. Alors, déjà, ça c'est un Ragnar. Oh, dans le museau! T'as pas dû apprécier. Ouah, puis on peut même pas récupérer l'arnaque. Donc, ouais, on arrivera plutôt au bon moment. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Je n'ai pas le temps de discuter. J'ai des livraisons importantes à faire. Bon, bah, vas-y Mais alors. faites quelque chose! Mais. Comment ça, faites quelque chose? Quoi, c'est l'araignée? À l'aide, quelqu'un! À l'aide, quelqu'un! Ouais, bah, écoute, c'est pas mon problème. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. C'est dans Spider-Man, ça. Ouais, à chaque fois je la sors cette réplique, mais je me souviens plus d'où elle sort. Alors je sais que pas très loin d'ici, il y a un camp orc, celui que j'avais mentionné déjà dans les épisodes précédents, dans l'épisode précédent. Où il y avait une quête aussi qui était associée à ce camp orc là, et je me suis dit, bah ça tombe bien, il est dans la région où on est par rapport à la garde de l'aube, et du coup on pourrait avoir connaissance, où on peut passer devant un jour, et se dire, bah voilà, qu'on le rejoint à la fin, pas de notre vie, mais un peu à la fin de notre histoire avec le gob, et bah limite, voilà, on le voit sur notre radar. Alors je pense pas qu'en passant juste devant. Oula. Ah! Putain d'araignée de merde. Elle est où? Elle est là. Ah, je déteste ça! Ah! Ouais, j'ai plus beaucoup de vie. Et ma vie, elle se régénère ou pas? J'ai un doute. Pas sûr, hein. On va voir, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, non, je suis affamé, donc du coup elle ne va pas se régénérer. On va prendre une pomme et ça sera réglé pour calmer un peu la faim pendant quelques heures du moins. Et ouais, du coup on voit le camp orc là sur notre radar juste devant. Mais je crois qu'il est un petit peu plus reculé, il est pas devant sur la route. Et l'idée, ouais, c'est de le rejoindre lui un peu plus tard. Parce qu'il a une quête à... il a une quête associée. Oula, il y a un gros truc devant là, c'est quoi? C'est une araignée ou c'est un ours? C'est une araignée. Ouch. Alors je vais prendre une potion parce que je préfère être. Je fais gaffe à ma barre de santé quand même. Voilà. Ah ouais, bah non, en fait le camp est pas si loin que ça. Là je suis en mode Logob, il voit un camp orc, il peut se dire, hey, pourquoi pas que je les rejoindrai en fait. Non, je sais pas. Donc là, en plus, voilà, il y a une bataille contre un géant. Alors attendez, on va sauvegarder parce que les géants, ils font mal. Et on va l'aider. Et on va voir après s'il n'y a pas un truc à faire autour de ça. Voilà, parfait. En un carreau, on l'a tué. Alors, on a dit qu'on a entendu du grabuge. On a vu un orc se faire attaquer. Oh, puis là, il a de la thune, parfait. Du coup, on a décidé de l'aider. Obéir aux ordres. Je vous en prie. Ma tribu souffre et a besoin de votre aide. Yamarz, notre chef, était autrefois un guerrier puissant et fier. Ok, bah j'ai pas trop eu le choix de. Il n'est plus aujourd'hui qu'un pauvre être maudit. Sa faiblesse affaiblit notre tribu. Pas d'autre choix Les que de parler comme ça, là. Enfin, s'introduisent dans notre y a même pas eu de merci, quoi. Maintenant, ils attaquent même nos maisons. Yamarz refuse toute aide, mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir besoin de vous. Yamarz nous a ordonné de rester à l'intérieur de l'enceinte. Nous ne pouvons pas partir. Je dois demander clémence à Malakat. Cette malédiction n'a que trop duré. Ouais, c'est la quête en question que je parlais, hein. L'hôtel de Malakat. Le rituel doit être effectué ici, et je ne dispose pas des éléments nécessaires. Je vous en prie, pourriez-vous me rapporter de la graisse de troll et un cœur de Dédra? Alors, la graisse de troll, ok, mais un cœur de Dédra, c'est beaucoup plus compliqué de. Des étrangers, mais je suis un orque aussi. Dans Ouais, un ou des je suis pas draps, encore de. Ouais, pardi. Dépêchez-vous, nous comptons sur vous. Je
Alors, c'est en effet la quête que j'avais en tête. Je pensais pas qu'elle était donnée comme ça. Et puis ouais, les draps, on n'en trouve pas dans les, dans toutes les villes de bord de ciel, dans toutes les bonnes auberges de bord de ciel. Bon, écoutez, au moins Logob a connaissance de ce camp orc, même si visiblement elle me considère comme un étranger. Oula, c'est quoi ça? Excusez-moi, mais je suis en pèlerinage pour l'hôtel d'Azura. Ah ok, bon bah vas-y, je t'en prie. Hein. C'était un vampire de loin. Un petit peu parano à voir des vampires partout maintenant. Mais ouais, je pense pas que la quête était donnée aussi aussi promptement que ça. Bon voilà, au moins on a connaissance du camp orc. On ne peut pas continuer la quête sans qu'on ait Graisse de Troll et un cœur de Dédra. Donc si jamais je trouve ça dans mon aventure, bah parfait, je lui rapporterai. Et je sais que d'ailleurs ça donne un putain d'artefact d'Edric de Malakath là, enfin un putain de marteau, une putain d'arme. Même si c'est pas forcément ce que je veux, ce que je souhaite, mais c'est pas mal. Mais bon voilà, c'est pas le but. Mais comme dit à la fin, à la toute fin de l'aventure, quand on aura bien avancé dans la quête des vampires de Dawnguard, Logob peut se dire, bah voilà, écoute, il y a un camp orc pas très loin, qui ont besoin de moi, quelque part. Et bah, il peut les rejoindre, et puis, alors, finir cette quête-là, bah, ça dépend uniquement, là, si je trouve de la graisse de troll et un cœur de Dédra. Ça, c'est pas gagné. Mais voilà, au moins, je peux me poser le cul là-bas, et puis, bah, finir un peu l'aventure là-dessus, ça serait cool. Je pense que je ferai ça. D'ailleurs, je pense que je ferai ça. On a combien de temps de vidéo, là? 22 minutes. Ça va, ça va, ça va. Pas dégueu. Donc là, on voit un petit peu Fayez à notre gauche, mais ce n'est pas là où l'on se dirige. On va contourner les remparts. Voilà. Ouais, ouais, ça va, il est pas trop tard dans la journée. C'est très bien. Ça sera plutôt bien fait, mine de rien, d'avoir récupéré Corinne et je sais plus quoi. Ouais, Sorin et Gunmar. Mais ouais, vraiment, faut que je trouve des carreaux d'arbalète parce que sinon. On est un peu bloqué. À partir de là, quand on aura. Voilà, quand Sorin et. Ouais, enfin, quand les deux autres Zozo seront arrivés là, au fort de la garde de l'aube, on aura accès à l'armure. Alors j'espère qu'elle sera donnée. Genre, enfin, si nous la font payer, c'est des putains d'arnaqueurs. Hein. Sérieusement. Il y a plein de dada qui se... Ah non. C'est juste que les gardes n'étaient pas encore visibles depuis... Depuis là on était. Je me suis dit quand même, il y a pas mal de chevaux qui se baladent comme ça. C'est qui lui? Ah oui, ça doit être un garde de Maven Ronce Noir. De la... Ça c'est cool aussi cette quête là. Là-bas il y a notre pote. Orc, mais qui n'a pas la voix du tout d'un orc, qui se balade. Ah bah tiens, encore un autre orc, décidément. Lui on avait déjà. Mourir avec dignité. Pourquoi voulez-vous mourir? Mon heure est venue. Je suis vieux, trop vieux pour devenir chef. Ça ne serait pas bien que je prenne des épouses à mon âge. Alors il me faut mourir. Malakath m'a envoyé une vision. Ah encore lui. Je mourrai glorieusement. J'attends ici qu'elle vienne à moi. Comme vous pouvez le constater, ça n'est pas encore arrivé. Vous ne m'avez pas l'air si vieux que ça, j'imagine que tu es encore tout à fait capable en de combattre. Je suis encore en âge de mourir au combat, comme tout homme qui se respecte. Les orques. Ouais, je fais un peu la converse vu que c'est un orque. Bon. Qui continue jusqu'à ce qu'ils soient grisonnants et faibles, et que leurs cheveux tombent. S'accrocher à quelque chose qui a fait son temps est inconvenant. Et plus encore quand il s'agit de sa propre existence. Vous devriez partir. Je ne voudrais pas laisser passer une belle mort. Ouais, on peut le tuer, ce qui est un peu bizarre. Hein.
Enfin, genre, la quête, c'est le tuer quelque part, et puis ça lui... ça le satisfait. Mais bon. On n'est pas là pour ça, hein. Alors oui, je sais que j'ai encore mon niveau à passer, mais... j'aimerais le mettre, genre, dans l'archerie, par exemple, ou ça, et... j'ai pas suffisamment de niveau d'expérience dans ces compétences-là pour mettre des points d'atout, donc bah, je vais attendre. Puis ouais, ça, c'est un peu la strat de laisser un niveau non passé, non complété, parce que genre lorsqu'on perd beaucoup de vie ou qu'on a plus de stamina, et ben en fait repasser un niveau, ça remet tout à zéro. Je l'avais déjà fait, hein, avant. Donc c'est un petit, pas un glitch, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais petite astuce, je dirais, pour ne pas utiliser de potions lorsqu'on est dans un état critique, et tout de même se régénérer la vie ou la stamina ou la mana. Donc nous voilà de retour à la garde de l'aube, après avoir recruté Sorin et Gunmar. J'espère qu'ils m'accueilleront en héros, hein, parce que quand même, je fais un peu tout leur boulot là depuis le début. Hein. Les vampires vont même attaquer jusqu'à devant les portes. Genre ils sont pas foutus de mettre de mettre des gardes ou je sais pas quoi. Enfin de surveiller un peu plus leurs alentours. Mais ah, si semble-t-il qu'ils se... ah bah voilà, ils ont mis quelques défenses. Ça y avait pas avant. Voilà, ça commence à avoir un peu de gueule. Il était temps, les gars. C'est bien, c'est bien. Salut. Oui. Non, rien. T'es pas plus causante que ça, visiblement. Est-ce qu'il y a encore les cadavres des vampires qui nous ont attaqués, non? Si. Ah si. Bon. Ils sont même pas fondus au soleil, enfin je sais pas, des vampires être réduits en poussière normalement. Quelqu'un pourrait passer le balai quand même. Oula! Bon, nous sommes tous là, Isran. Qu'y a-t-il? Ne bougez plus! Qu'est-ce que vous faites? Mais oui, qu'est-ce que tu fais? Je m'assure que vous n'êtes pas des vampires. On n'est jamais trop prudent. Bienvenue au fort de la garde de l'aube. Mec, il est susceptible, hein. Je suis sûr que vous en savez déjà un peu sur nos ennemis. Il fait le malin en haut, là, sur son balcon. Ce sont des vampires, d'une puissance encore jamais vue. Et ils ont un parchemin des anciens. Si quelqu'un doit les arrêter, ce sera nous. Ce sera nous. Tout cela est bien beau, mais que savons-nous de leurs activités? Et que pouvons-nous faire pour les contrer? Nous y viendrons. Pour le moment, habituez-vous à l'espace. Sorin, vous devriez avoir la place de continuer à travailler sur votre projet d'arbalète. Gunmar, vous aurez suffisamment d'espace pour parquer quelques trolls dans l'enclos et les équiper d'une armure. Pendant ce temps, nous devons découvrir pourquoi un vampire est venu vous chercher ici. Hein? Et si nous allions lui toucher deux mots? Ah putain, c'est Serana. Nous y voilà. Ça recommence. J'ai peur de ce qui va arriver. J'ai repéré où sévit un vampire qui se fait passer pour un citoyen. Voilà. Retrouvez-le et éliminez-le. C'est ça, avancez avec précaution. Les forces de l'ordre ne sont pas au courant de cette menace et vous prendront pour un criminel. Les vampires aiment traquer leur proie. Ils s'enhardissent à force de se fondre parmi nous. Et ça les enivre. Mais je vais mettre un terme à ce petit jeu. Mais les hommes du Hall, cette menace, comment éviter d'attirer les foudres des forces de l'ordre? Hélas, le vampire est capable d'obscurcir l'esprit de ses victimes. Il sera difficile de convaincre qui que ce soit qu'il joue double jeu. Les instances légales demanderont des preuves et nous n'en avons pas. Et les Jarls n'aiment pas que quelqu'un se substitue à leur justice. J'avoue, lui, il est arrivé avant moi alors que j'ai tout fait à pied et... Soyez aussi discret que possible. À part qu'il sache voler, je sais pas comment il est arrivé en premier. Il faudra ruser.
Débrouillez-vous pour ne pas vous faire arrêter et accuser de meurtre. Vous trouverez bien un stratagème. Il faut rester vigilant et agir en secret pour éradiquer ces abominations. Que la lumière soit avec vous. Alors, oui. Des carreaux. Bien, pas beaucoup, mais il y en a. Allez, on va prendre ça. Un casque de la garde de l'aube, même si c'est pas le... Non, j'évite. Ça semble toujours... L'armure complète. Je peux vous aider ? Pourquoi j'ai demandé, d'après vous ? Sorin a besoin d'un coup de main pour améliorer nos arbalètes. Mais si cela ne vous intéresse pas... Parlez à Gunmar, il a une tâche à vous confier. Ouais, je l'ai déjà. Puissiez-vous toujours l'emporter. Oui. Que vos armes restent affûtées. C'est sûr, ça n'a rien d'un palais. Mais c'est solide, sûr et largement défendable. Je préfère me trouver ici qu'ailleurs en bord de ciel. Si Isran a besoin de moi, c'est que la situation doit être grave. Je me demande contre quoi nous luttons ici. Je peux vous montrer comment fabriquer un modèle simple, si vous savez forger l'acier. Ça n'a rien de compliqué. Adressez-vous à Gunmar si vous avez besoin de matériaux. Est-ce qu'il me les donne au moins ? Je peux essayer. Ah putain. On verra ça plus tard. Qu'est-ce que je vais faire pour notre arsenal d'arbalètes, mais j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. On a plusieurs quêtes annexes pour. J'ai besoin d'une nouvelle source d'inspiration. J'ai toujours été fasciné par les artefacts d'Ouémer. Je les démonte, je les inspecte sous tous les angles et j'essaie de comprendre leur fonctionnement, avec plus ou moins de succès. Mais par chance, j'ai découvert l'emplacement de certains schémas d'Ouémer. Est-ce que vous voulez bien récupérer ces plans pour me faire plaisir ? Pour me faire plaisir. Très bien. Alors, on va aller voir... Attendez, je vais regarder quand même. Ça va, on est à 32 minutes de vidéo. Allez voir Isran. Et du coup, c'est Serana qui est revenue au fort. Pour la suite de la quête principale. Même si je sais pas si je vais... Dans quel ordre je vais faire. Je vais regarder d'ailleurs sur la map. Où est-ce qu'on m'envoie là. J'aime pas ça là. Ah non, il y a rien qui est affiché. Quête. Récupérer l'objet de plan d'arbalète, Hide and Seek. Pourquoi ça s'affiche pas? Alors attendez. Ça veut pas s'afficher sur la carte. Bon, ben on verra ça plus tard. On va voir Isran. Je savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Bon, vas-y, je te suis. Coucou. Vous ne vous attendiez pas à me voir. Un vampire s'est présenté ici en votre absence. J'imagine que c'est celui que vous avez trouvé dans la crypte de Sombreval. Il paraît qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Je vous écoute. Vous ne vous attendiez pas à me voir, j'imagine. Vous pensez bien que je ne suis pas ici pour mon plaisir. J'avais besoin de vous parler. C'est important. Alors je vous en prie, écoutez-moi avant que votre ami ne perde patience. Il s'agit de moi et du parchemin des anciens, qu'on a enseveli avec moi. La raison de ma présence ici, et pourquoi j'avais le parchemin des anciens. Tout est la faute de mon père. Comme vous l'aviez sûrement deviné, mon père n'est pas précisément une personne altruiste. Pas précisément. Même pour un vampire. Il n'a pas toujours été comme ça. Quelque chose l'a changé. C'est cette obscure prophétie qu'il a trouvée par hasard. Elle lui a tourné la tête. Le texte oscille entre le vague et l'absurde, comme toutes les prophéties. Le passage qu'il a compris dit que les vampires ne craindraient plus le soleil. Voilà ce qu'il cherche. Le pouvoir de contrôler le soleil. Ce serait l'avènement des vampires. Comme ma mère et moi refusions de mettre Tamriel à feu et à sang, nous avons essayé de l'arrêter. C'est pour cela que j'ai été enfermée avec le parchemin. Désolée, j'ai entendu dire que c'était des chasseurs de vampires. Un complot ourdi par des vampires pour réduire le monde en esclavage. Ça devrait éveiller leur attention. Oui, c'est pas vrai. Je me trompais ?
Non, non, du tout. Oui, c'est notre plan. Enfin, si les autres arrivent à oublier leur méfiance à l'égard des vampires. Venez, vous allez m'aider à les convaincre. Non, 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 moi je vais te couper la tête. Très bien. Vous avez entendu ce qu'elle avait à dire. Couper la maintenant, tête. Dites-moi, qu'est-ce qui m'empêche de la tuer? Oh, rien, tu peux y aller. Pourquoi? À cause de cette fameuse prophétie selon laquelle un vampire essaierait d'éteindre le soleil? Vous croyez à tous fatras, vous... Débrancher le soleil, tu sais. Qui sait? Elle avait peut-être comment débranche Internet? À moins qu'elle ait perdu l'esprit. Je m'en moque pas mal. Elle peut rester pour le moment. Mais je vous tiens pour responsable si elle s'approche trop près de quiconque. Compris? Vous avez compris? Ne prenez pas trop vos aises. Vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous. En attendant, ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité. Votre ami en paierait le prix. Merci pour votre gentillesse. Je m'en souviendrai quand j'aurai à nouveau faim. Bon, au cas où vous n'avez pas remarqué ce que je porte sur le dos, je détiens le parchemin des anciens. Quoi qu'il en dise, il détiendra quelque chose qui nous aidera à enrayer les projets de mon père. Mais évidemment, nous sommes incapables de le lire. Ben ouais. À ma connaissance, les prêtres de la Falaine sont les seuls. Mais ils se préparent pendant des années avant de commencer à lire. Donc cela nous soit d'une grande aide, ils sont en Cyrodiil, autant dire à l'autre bout du monde. Un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il y a quelques jours. L'enfoncer des pieux le long de la route quand il est passé. C'est peut-être le prêtre de la Falaine. Comme par hasard, hein. Franchement. Vous savez où le trouver maintenant? Non. Et je n'ai pas l'intention de sacrifier des hommes pour essayer de le retrouver. Nous sommes en guerre contre votre race, et j'ai bien l'intention de vous exterminer. Si vous voulez le trouver, adressez-vous à quiconque aurait rencontré un voyageur. Essayez éventuellement les aubergistes et les cochers des grandes villes, mais vous n'aurez pas plus d'aide. Je me demande comment vous allez vous y prendre pour trouver un prêtre de la Falaine. Bord de ciel, c'est grand. Avant d'être... Vous avez compris. C'est à l'Académie de Fort d'Hiver que je commencerai les recherches. C'est un centre de magie et d'histoire. Ouais, mais c'est trop loin. Les magiciens savent toutes sortes de choses, bien plus qu'ils ne le devraient. Tout bien réfléchi, je crois que je vais vous accompagner. Mais j'ai jamais cru que je voulais, moi. J'ai vraiment envie de sortir un peu, de voir le monde. Mais vas-y toute seule. Bonne chance. J'espère vous revoir bientôt. Ouais, casse-toi. J'ai pas envie de voyager avec toi, moi. Je savais qu'on arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Ouais, tu te répètes aussi beaucoup, mon petit pote, non? Ouh, il y a une bourse là-bas. Hop. Y a pas autre chose là que je puisse piquer, non? Ouais, non, Serana, je veux pas qu'elle m'accompagne en fait, parce que j'ai pas envie d'aller plus profondément dans la quête des vampires, comme je disais, enfin dans la quête, dans cette quête-là. Pareil, là, je suis en train de me poser la question par rapport au prêtre de la Falaine qu'il faut retrouver. Je sais même pas si je le ferai parce que. Enfin, genre on peut laisser en suspens comme quoi on le recherche et qu'on le trouve pas et que les choses restent statiques jusque là quoi. Bah où Serana va pas se poser dans un coin de la, du fort quand même. Si? Mais non, mais non. Ah ouais ça faut aller genre à Fort d'Hiver. Bon, on peut demander on peut demander, il disait, à des. Comment dire, à des. Aux mecs qui sont sur les charrettes, justement. Genre, elle va se poser, elle va manger avec nous. Tranquille, tu sais. Bon, nous, par ailleurs, on va avoir de manger. Il faut qu'on reprenne des forces. Vous êtes allé voir Isran? Non, j'ai vu. Ça semble toujours finir en bagarre. Et vous? Pourquoi j'ai demandé. Pardon. Pousse-toi, s'il te plaît, merci. ok, bon bah je vais juste finir tout ça, puis mettre fin à l'épisode ensuite. J'espère que là qu'on puisse. Qu'on peut prendre les armures. C'est un peu ça qui m'importe. Ok. Bon bah je peux y passer Serana. J'ai rien envie d'avoir
à faire avec elle. Hein. C'est le mec qui veut vraiment pas entendre parler, quoi. C'est en mode, non, non, mais casse-toi. Tu n'as pas besoin de moi. Alors, eux, ils se sont mis au boulot. Si vous comptez vous exposer au danger, vous feriez mieux de bien vous préparer. Ah, bah voilà. Armure lourde, bottes de la garde, gantelet, parfait. Qu'est-ce que t'as avant ? Isran avait une réserve surprenante d'armes et d'armures. Jetez un œil. Je regarde un peu ce qu'il a par curiosité. Ouais, il a des carreaux, mais à deux hors l'unité. Non. Ah putain, ils ont des différentes armures. Enfin, ils sont chers. Hein. Ah putain, il est bouclier aussi, ils sont stylés. Prenez soin de vous. Et elle est où la Sorine ? Arbalète, non. Elle est là. J'apprécie ce qu'Isran a fait de cet endroit. Il est beau. Tu kiffes, hein ? Donc du coup, on va pouvoir enfin s'équiper. Alors c'est une armure lourde. Mais bon, ça me dérange pas. De voir quelqu'un de toujours près. Ah bah voilà, on ressemble beaucoup à Dorak du coup. On a un petit peu coiffé pareil. Le casque, il dit quoi ? Oh putain, c'est moche. On dirait les gardes anglais, tu sais, vous savez. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est moche. Je vais tenter quand même de garder mes bottes de cuir, ou du moins de les mettre dans un coin ou dans un coffre. Pour après, quand je serai plus dans la garde de l'aube. Ça, on va les vendre si je peux. Ah, j'ai que 10 carreaux, c'est pas énorme. Très peu de gens apprécient les horreurs qui peuvent survenir lorsqu'on fait preuve d'un... C'est tout ce que ouais, j'ai. C'est cool. Pardon, mais je n'ai rien d'autre. Mais t'excuses pas, hein. On va vendre ça. Ça coûte... Enfin, on peut même pas les vendre, tu sais. Style... Ouais, je vais les mettre... Ouais, non, par contre, le casque, lol, quoi. J'essaie de les mettre dans un coffre mes autres stuff là, mon... Et donc ouais t'as quoi, tu te dis pas grand chose. Ça va hein, moi j'ai pas autant que ça hein. Vas-y on va tous les prendre hein. Au moins ça nous fera un bon petit stock. Il n'y a rien d'autre. Je pense que quand on aura fait leur quête à eux et qu'on sera revenu là, on verra la différence. Sympathique endroit, pas vrai? Travailler le métal est ardu. Laissez-moi... Ouais, non, trop... Ce n'est pas extraordinaire, mais j'ai un joli stock. Dans les tenues, ouais, il avait tout ça, mais... Armure légère, bah, de la garde de l'aube, ouais... Ah putain, par contre celle-là, ce casque-là, il est chouette. Comparé à l'autre, ouais. Oui, l'autre c'est casque léger, je crois. Il est tellement moche. Ouais, de toute façon, c'est trop cher. Mais par contre, ce casque-là, il est ouf. Si je peux plus tard l'avoir. Il n'y a pas des armes de la garde de l'aube, genre des épées. Non, non. Combattez bravement, l'ami. Il y a ce coffre là-bas. Il n'y a pas des coffres dans les baraquements. Est-ce que j'ai une Jane Keeper, ouais. Ouais, il a pris mon lit. Non, il n'y a pas de coffre. Il y a les coffres qui étaient là-bas aussi. Là. Là, il est vide. Ah, mais il y avait de la thune là-dedans. Ah, bah très bien, très bien, très bien. Et bah, on va le mettre là-dedans, notre stuff. On devrait pas bouger normalement, hein. En arme, donc ça bouge pas. Et bah on va s'arrêter là. Parfait, on peut mettre les clés ici. Ça... Tomate. Parfait. Tomate.
mais pourquoi on n'a pas sur la map nos quêtes là? La quête de Sorin et de Gunmar, je comprends pas. Est-ce qu'il faut qu'on... juste vérifier, est-ce qu'il faut qu'on sorte à l'extérieur pour qu'on puisse les voir? C'est bizarre, non? Ah bah oui, il est là. Vous me cherchiez? Non. Vous voulez toujours sortir avec moi? Ouais, mais elle fait chier, elle, si elle est là. Moi, je veux pas continuer la quête comme ça. Je sens que je vais devoir le faire. Mais par contre, pour aller jusqu'à... jusqu'à Fort d'Hiver, alors bon, bah ouais, on va prendre un chariot au pire. Je pense qu'on va faire ça, hein. C'est qu'on va aller parler au mec du chariot là, ou carrément au teneur du taverne de Fayez, voir s'ils n'ont pas entendu parler de ça. Et puis bah, s'il faut qu'on aille à Fort d'Hiver, on ira à Fort d'Hiver, écoutez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Récupérer le plan à la mine d'Humidal, mais pourquoi qu'on peut pas voir ça? Gunmar à Saint-Mit ou Corberock? Ah ouais, d'accord. Ah mais c'est parce qu'ils sont à Corberock en fait. La mine d'Humidal, je suis sûr, c'est un truc... Ah ouais. Ah carrément quoi. Mais ils sont ouf. misère, j'aimerais bien faire cette quête comme il faut, mais le jeu ne veut pas. Bon, écoutez, on va aller dormir. Enfin, je vais sauvegarder, puis je vais quitter la partie, puis je vais réfléchir à ce que je vais faire ensuite. D'accord, putain. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il y ait des vampires à Corberock, sérieusement? Tiens, pas la peine, je pique ça, moi. Dans l'armoire, de l'or, parfait. Il va m'en falloir. Ah bah cool, les... Voilà. Bah alors, sauvegarder. Et puis bah voilà, ce sera bon. Je vais voir ce que je vais faire après parce que ça m'a un peu perturbé tout ça. Mais bon. Allez, fin de cet épisode, à la prochaine. Salut.